Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de découverte de la démo de Destroy All Humans version 2020. C'est un remake qui va sortir le 28 juillet 2020. C'est édité par THQ Nordic, c'est développé par Black Forest Game. C'est disponible sur PC, PS4, Xbox One. Ce sera déconseillé au moins de 12 ans. Et je précise que c'est la version démo, bien entendu. Pourquoi? Parce que en ce moment, il y a le festival de Steam qui a lieu. C'est pas Steam, le copain, c'est pas Simon, hein, non. C'est Steam, la plateforme. Et il y a beaucoup, beaucoup de jeux, beaucoup de démos sur des jeux qui vont sortir prochainement, comme celui-ci, ou plein d'autres jeux qui vont sortir dans les semaines, dans les mois, voire... On n'a pas forcément de dates qui sont annoncées. Du coup, je profite de ce festival pour vous faire des petites vidéos preview découvertes de ces démos en espérant que ça vous plaise. On commence par celle-ci et durant tout le mois de juin, voire début juillet, vous aurez des vidéos découvertes parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va sortir et ça fait toujours du bien, de la découverte. Celui-ci, comme jeu, je ne l'avais pas fait à l'époque en espérant que ça vous plaise. N'hésitez pas à laisser un petit like et de me dire votre intérêt pour le jeu, est-ce que ça vous plaît ou pas, si vous connaissiez ou pas. Allez, c'est parti. Hello, friends. Have you ever gazed up into the night sky and wondered at the possibility of life on other planets? What marvelous beings might exist out there, hands extended in friendship, awaiting the moment when we humans take our first tentative steps into space? What tales will be told of that glorious day when we are first contacted by our brothers from beyond the stars? All systems go, General. 4. Come on, baby, show us what you got. 3. What the hell? 2. What in the blue blazes is that? 1. No, wait! Stop the countdown! Incompetent fool. I should never have sent you. What's shaking, Pox? You look a little, what's the word, constipated. Let's just say I hope you turn out to be less of an evolutionary dead end than your predecessor. You lost me. Shall I tell you a secret? Few of our people know this, but the DNA patterns in our cloning banks are becoming more and more degraded with each new clone. That's bad, right? Only if we want to retain our immortality through cloning. Of course it's bad! I sent Crypto-136 in search of a planet we visited many eons ago. A planet seeded with pure Furon DNA. But I lost contact. Let me get this straight. You sent me, him, Crypto-136, to a hostile planet, and he's disappeared. Maybe captured, maybe even being tortured as we speak. Well, I wouldn't jump to any conclusion. I bet you wouldn't. Let me tell you something, Pox. You're a smart cookie. But there's a time for thought, and there's a time for action. And this is one of those times. Which? The second one. Perhaps you're right, 137. Of course I'm right. You kidding me? A cryptosporidium captured by a bunch of monkeys? We gotta go in. We gotta crack some craniums. We gotta rescue me. Him. He's gotta rescue me. I mean, I gotta... Brains, man. When do I get to blow things up? Patience, Crypto. Patience. I take your point. Prepare the mothership.
That's what I'm talking about. So, what's the name of this crummy planet? Our destination. The planet Earth. Orthobox to Cryptosporidium 137. Come in, Cryptosporidium. Crypto here. How's the view from the safety of the mothership? Very funny. Let's just say I'm glad I'm up here, and you're down there. Loathsome little planet. Now, Crypto! To ensure this invasion runs smoothly, it is imperative we identify the dominant life forms on this world. Those lactating bovoids are likely candidates. Surely you don't mean those foul-smelling gas bags beyond the fence? Yes, I'm afraid I do. But they're covered in nipples. Now, Cryptosporidium! Et bien, même pour une démo, on a une belle cinématique, et j'avoue, bah là, on nous met bien en place, tu vois. Et le jeu, il est plutôt beau, je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, la vraie cinématique tournait bien, la cinématique, par contre, in-game, était à 30 FPS, et là, bah, franchement, c'est joli, c'est sympa. Le design et tout, je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien, des fois, voir un petit peu comment ça donne au début d'un jeu. Salut, vous! C'est vous, l'espèce dominante de la planète Terre? Ah, il faut vous scanner. Voilà, c'est bon. Là, je pense qu'on va pouvoir estimer que c'est pas forcément elle, l'espèce dominante. Un petit selfie. Voilà. Ça fait plaisir. Alors, scanner une autre vache. Pas de problème. Il suffit de demander. C'est pas bon. Et toi? On va toutes les scanner. Désolé de vous déranger un petit peu comme ça. Je sais que c'est pas bien, mais bon. They eat with their mouths. I think I'm going to be violently ill. Attention, Earth creatures. This planet is now part of the Furon Empire. Your benevolent masters welcome you. At this time, we wish to abduct you for the purpose of scientific research. The procedure will be protracted and invasive. Do you have any objections? Earth creature, I am addressing you. Respond or be vaporized. I don't care how many stomachs you have. I don't have time for this. Ah ouais, je pose une question, elle a fait un tas de bouse. Alors, utilisez la... D'accord. Ah, c'est stylé ça. Hop là. C'est beaucoup trop bien. Alors, on va... Enfin, ne faites pas ça chez vous, bien sûr. Hein. Alors, viens voir. Oh la pauvre. Ah d'accord, je l'ai tellement lancé haut que le jeu il a un petit peu freeze. Après, encore une fois, ah, c'est pas fini, hein, bien entendu, vous en doutez. Le jeu est encore en cours de développement, je pense. Bon, il doit pas être loin de la version Gold, mais...
Après, c'est souvent mon PC aussi qui déconne un petit peu. C'est pour ça que je fais rarement des vidéos sur PC. He didn't tell me we was having barbecue for dinner. Wait a minute, that ain't steak. That's holy mother. Martha, give me the shotgun. Mais pourquoi tu veux me tuer? Je voulais juste savoir comment j'étais les vaches. Je vais poser une question à ma chute dessus presque. Allez hop. Tu vois ce que ça fait d'être méchant? Ça sert à quoi de faire ça? Ah d'accord. Avec ça, on extrait l'ADN. Voilà. Et hop. Par contre, tout à l'heure, il avait dit le bah l'alien que il mangeait pas par là. Not green. Je ne suis pas green. D'accord, ça nous explique le bouclier. Très bien. Ça, on peut passer de façon facile à comprendre. Mais oui, elle nous parle de bouclier comme ça. Éliminer les ouvriers agricoles. Mais j'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait. Bon bah. Si vous insistez, moi... Ah ok, j'ai pas vu. En bas à droite, on a le pourcentage. Et quand ça arrive à zéro, bah... C'est comme une arme, disons, on peut plus recharger. Ah, il aime pas l'eau. Il n'aime pas du tout ça. Très bien. Comme là, j'avoue, j'ai un peu grillé... j'ai un peu grillé tout ce que j'avais. Ça récupère... Par contre, voilà. Ça récupère au bout d'un moment. J'ai pas vu qu'il y avait de l'eau aussi. Et voilà. Les petits ouvriers, là. Et aussi, on peut les prendre, hein, si vous voulez. Je sais pas. Si vous voulez lancer, hop, dans le lac, c'est possible. Toi aussi, calme-toi. Et voilà. Ah franchement c'est pas mal fait, hein. J'aime beaucoup, vu que j'avais pas fait l'autre à l'époque. Evening, Ms. Turnip Seed. We got a call from Farmer Dixon over the other side of the state road. Said he heard some pretty strange noises coming from over this way. Little green spaceman! What is that? A new silo? Electrocuted him with a big old crypto! That human law enforcement officer is attempting an unauthorized entry of your spacecraft. If those pea-brains were to get their hands on your quantum deconstructor, they could rip a hole in the space-time continuum. Bien, il va vite se calmer. Oh non, j'ai le pack. Yeah. Attendez, j'avais une poule là. Alors, il y a bien la femme avec un poulet. Ah bah tu vois, j'ai vu le poulet et j'ai pas fait gaffe. Enfin, c'est un poule, un coq, je sais pas ce que c'est. Alors, il faut que je la lock elle et que je lui lance. Ça va pas être évident, ça. Mais non! Mais non! Il s'est pas... Oh bah, c'est quoi? Hop là. Aïe! Calmez-vous. C'est pas évident pour la viser. Ne touchez pas à mon vaisseau, s'il vous plaît. Vous pensez que c'est bien ce que vous faites, là? Oh, mais oh! Ah, il reste encore une personne, c'est qui reste? Ah, c'est le véhicule, il est considéré comme un ennemi. On s'en fout un petit peu du véhicule. Du coup, bah, on n'a pas pu tuer la femme avec le poulet. Mais c'est pas grave. Hop. Ah bah nickel. On rentre chez nous. Allez, salut. Ah, ça se dirige bien. Vraiment, je suis surpris. J'aime beaucoup. J'espère que vous aussi, vous passez un bon moment. Comme quoi, des fois, voilà, de faire des démos, bah, ça peut être utile. Je m'étais pas trop intéressé au jeu. Et, bah, s'il est plus profond qu'il y paraît... S'il y a une vraie histoire et pas que le début, bah je pense que je le ferai dès qu'il sortira dans un peu plus d'un mois. Oh. En même temps, c'est vrai qu'on est venu venger notre frère, si on peut l'appeler comme ça. Move out, man! Move! 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 I don't know, but I've been told. I don't know, but I've been told. Joe McCarthy's good as gold. Joe McCarthy's good as gold. Oh, great. The human military-industrial complex. We can't allow them to alert their leaders to our presence. Exterminate them! Now! Open fire! Franchement, vous pensez me faire du mal déjà avant tout? Voilà, je pète les véhicules qui sont potentiellement... Bah, compliqué à gérer. Ah, possible. Voilà. Et maintenant, c'est votre tour. Là, c'est pareil. Hein. Ce faisceau-là,
C'est comme pour notre arme. Si vous l'utilisez trop longtemps, bah ça surchauffe. Donc il faut être patient. Il faut prendre notre temps. Et voilà. Alors, c'est qui le patron ici? Ah, il est encore. Bah, venez. Par contre, ils sont arrivés vite, hein. Ça fait même pas 5 minutes que je m'étais fait repérer par le fermier. Et là, ils sont déjà là. Peut-être qu'ils ont analysé mon vol avec ma soucoupe. Ils se sont dit, ah, il est venu sauver son frère. Ah, on peut faire, attendez. Drainer une personne. Ouais. Ah, voilà. Ah, ok. Drainer, ça nous sert à récupérer de la vie. Et que si vous partez du bouclier, vous voyez, bah vous faites triangle. Là, entre guillemets, malheureusement, bah, je suis full life. Mais s'il me restait un peu de vie, bah, je vous aurais montré. Et désolé aussi pour les tout petits lags. Il n'y en a eu que deux depuis le début de la vidéo. C'est, comme je dis, c'est mon PC qui a vraiment du mal. Je suis désolé. Mais bon, deux lags sur une vidéo de 20 minutes, je pense que c'est correct. Je vais changer prochainement les pièces et... faut juste attendre un peu, parce que ça coûte assez cher. Malheureusement, j'ai pas forcément l'argent pour. Mais c'est pas grave. Alors là, voilà, on draine un petit peu. Merci. Ah, je vous connais que le vaisseau, on est beaucoup trop fort. Là, ils peuvent rien nous faire. À part s'il y a d'autres vaisseaux qui viennent, peut-être des hélicoptères, des avions, je sais pas. Did you see what I saw? You bet your sweet ass I did. What did you see? Little green man in a flying saucer wiping out the best infantry unit in the US Army. Right, good. Me too. Green? Not gray? Don't be a stiff. You know what it means? Absolutely. What? It means the papers got it right for once. Get on the horn to Silhouette. We've got the worst case scenario. The eggheads were actually onto something? I don't believe it. Believe it. Roswell was only the beginning. The invasion is on. 90% de la mission était accomplie. Il nous manquait les 10%, c'était juste de d'éliminer la femme avec un poulet. Sauf que voilà, mon lancer n'était pas forcément hyper bon. Vous savez quoi? On va s'arrêter là pour la découverte. Je pense qu'on a vu suffisamment. Vous avez vu le début de l'histoire. Vous avez vu comment se dirige notre alien qui peut avoir un vaisseau, etc., etc. En espérant que ça vous ait plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. On se retrouve très 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 vite pour de nouvelles vidéos, et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut!